Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou, pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous c'est mardi 9 avril 2024. Bienvenue dans la deuxième édition Journal en Créole, nous, en collaboration avec VOA Créole, qui a présenté au Pazamé, Jerry Cherestal. Actualité, mes amis internautes, sous plan national, qui dans le moment n'a pas là, une grosse opération démolition, caillant, eh bien, aux environs de l'aéroport international là, où la police lui-même li a opéré, une façon pour que capable, eh bien, aider la police nationale d'Haïti à faire travail ça, la côté qui gang yo même yo t'a opéré tout près aéroport international là et gagner propriété plusieurs kaisa yo qui va gagner pour que yo même yo capable réagir. Et bien CARICOM nan moment n'a parlé à zami internaute li même qui a préparé là pour capable et bien installer conseil présidentiel en transition hein, et bien là tout gagner plusieurs secteurs qui a préparé yon pétition yon façon pour que yo même yo capable fait choix de yon moun directement en dedans coup de cassation pour capable diriger transition dans le pays d'Haïti. Gagné l'armée Israël là, beaucoup de parle li même qui fait un gros retrait dans Gaza pendant et troupes l'armée Israël là li même li apparaît pour capable gagner une opération principalement en dedans Rafah malgré opposition Washington ensemble avec Nations Unies. Éclipse solaire là li même madame mademoiselle monsieur, eh bien, qui te trouvé que gen en pile moun, qui te trouvé dans le pays Canada, Mexique, avec États-Unis, eh bien, c'était un gros rolo, eh bien, éclipse solaire total ça, yé lundi a été provoqué en pile réaction, et surtout, dans les trois pays, ça, ok, nous même nous sommes présentés là, qui c'est pays Canada, Mexique, ensemble avec États-Unis. Voilà, amis internautes, c'est tout point ça yo à divers l'autre. Nous va gagner pour qu'on capable présenter dans journal ça jeudi a, rester connecté avec nous une façon pour que vous-même ou capable rester bien informé. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans développement journal si là. Gagner une opération démolissement kaya qui a fait dans aéroport était bon en tout près aéroport international Toussaint Louverture là, et bien opération ça c'est dans cadre pour que capable et bien retirer depuis ces moun gang qui t'a flé entrer en dedans pour que capable et bien contrecarrer la police nationale d'Haïti et surtout lorsque Ariel Henry lui-même était allé dans pays Guyana pour 46e sommet CARICOM nan et bien t'es gagné en pile nèg ensemble avec Zam monsieur Vivant Samyo qui t'est trouvé au nan moment côté que t'a tiré ou t'es choisi conseil de caillan fait en pile moun en pile propriétaire kaisa yo volé gagé yo pré kaisa yo capable servir abri capable servir cachette pour capable tirer sous aéroport dans le cas où Ariel Henry lui-même il t'a voulu mettre pied là à terre dans pays d'Haïti qui t'a passé dans aéroport international Toussaint Louverture là. Et bien là gagné monsieur yo disposé pour capable faire travail ça et pendant que même yo a opéré gagne en pile moun qui déjà fait connait amis internautes en tant que propriétaire que yo même yo pour recevoir yon goud alors que la police nationale d'Haïti est débarqué ensemble avec Bakolo des tracteurs ensemble avec toute bouleuse pour capable craser yo alors que yo même yo pa wè ki côté ki yo pral dormi yo pa gen ni monter ni descendre yo pa gen ni en haut ni en bas yo pa gen ni moun l'autre bord mais tout simplement la police vini pou quelqu'un capable craser kayo yo pa konnen ki côté yo même yo pral à travers journal la zami internet nou pral gagner réaction plusieurs moun ki trouvé yo nan sens ça madame mademoiselle des messieurs qui a réagi après que la police lui-même li débarqué pour que lui-même yo te capable craser kaye yo tout qui a vivant tout près aéroport là et moun qui a vivant derrière do aéroport international Toussaint Louverture. Gagné CARICOM lui-même qui t'est préparé pour que capable faire gros installation en dedans palais national pour qu'il capable installer conseil présidentiel transition dans pays d'Haïti et qui va diriger pays d'Haïti et bien c'est comme ça gagné gros qui cassé et que même conseil transition ça en pile en même conseil présidentiel là même qui estimait li pas fin normal pour que même t'a installé fort quand yo t'a supposé et bien kaba insécurité pour yo entrer dans palais national et bien gagné plusieurs moun qui trouvé yo dans plusieurs secteurs qui mettait tête ensemble pour capable préparer yon petit
prédiction côté que pour en pile monde capable vinn signer yon façon pour que capable et bien présenter là à présenter là devant cour de cassation pour capable faire choix de yon monde qui pour diriger transition dans pays d'Haïti mais monde ça li de sorti directement en dedans cour de cassation et d'après l'article 148 qui dit, amis internautes, depuis qu'il y a un vide présidentiel, c'est à yon moun qui le soutient directement en dedans cour de cassation qui doit diriger pays d'Haïti. Eh bien, conseil en transition jusqu'à présent, conseil présidentiel transition qui trouve nan espace pour que lui-même est capable d'installer dans le palais national et dans un jour qui patrouille le rayon déjà, car comment déjà déclaré, et bien, conseil là, pral gagner pour qu'il est capable d'installer dans le palais national. Et gagner même yo même yo trouvé yo dans l'impossibilité à cause de l'insécurité à que même yo capable à l'installer dans palais national à cause de gros coups de balle bandi yo même yo a tiré sous palais national yo même yo besoin prend palais ça gagner zami internaute l'armée israélienne li même qui trouvé dans moment côté que li décidé pour qu'il capable craser et craser Gaza et gagner gens qui wap garder sous écran gagner depuis 2007 octobre qui se passait en 2023 côté que guerre ça lui-même était déclenché entre Israël ensemble avec petit monsieur Amasio et bien yo même la côté que yo kidnappé yo latrier israélien pour que yo capable mettre yo en côté en dedans Gaza et l'armée israélienne nan pour quantité monde qu'il déjà touyé pour un militant Amasio et lui-même il déclarer tout autant que pas gagné yo tout autant gagne monde qui existait nan quand ça que lui-même que ça lui-même il pas jamais capable et il pas jamais capable kaba et gagner citoyen premier citoyen américain Joe Biden qui déjà fait connaître faut quand Israël lui-même li fait yon cessez vous gagne un cessez fait de quoi pour capable et bien capable quand c'était monde qui a mouri nan gè ça et yon même yon pas jamais camper pour capable fait connaître non gè ça lui-même il pas capable camper et gagne là l'armée israélienne dans lui-même ami internaute lui-même li fait yon retrait nan Gaza pendant la troupe lui-même li apparaît pour que lui-même capable faire yon gros opération dans Rafa malgré et président Joe Biden lui-même surtout en dedans Washington yo opposé ensemble avec Nations Unies et bien l'armée israélienne lui-même surtout Benjamin Netanyahu lui dit lui-même pas gè campé c'est guerre jouk li jou c'est guerre pas gè campé c'est aller au braler faut eux-mêmes yo finir ensemble avec tout militant Amasio en dedans Gaza. Gagné éclipse solaire là amis internautes et bien hier lundi a qui c'était un gros tête chargé en pile monde tapant qui ça ça que lui-même li t'a pral poté et bien gagné trois côtés que lui-même li passé directement tant que le Canada les États-Unis ensemble avec Mexique trois côtés ça yo gagné en pile monde qui t'est déplacé sorti dans série de états dans pays États-Unis pour que même yo capable aller yo c'est de l'autre côté pour ouais qui ça que lui-même t'a poté ensemble avec lunettes solaires pour que eux-mêmes yo capable et bien protéger yeux yo et protéger koyo dans ça gagner même citoyen ça yo qui trouvé dans pays États-Unis et bien pour eux-mêmes c'était pour une gros expérience que eux-mêmes yo te fait ensemble avec et avec éclipse solaire ça là côté que yo même yo senti yo gagner possibilité pour que capable expliquer avec petit yo qui ça phénomène ça lui même lié et lorsque au même yo déplacé quitter état que yo aller aller dans l'autre état et c'est pour une autre occasion pour que capable expliquer ensemble avec moun qui t'a vivant ensemble avec yo mais qui ça éclipse solaire là lui-même lié et surtout avec expérience ouvert ensemble avec lunettes solaire qui au même yo t'ai utilisé avec conduire yo pour que au même yo pas arriver victime de phénomène naturel ça. Voilà, amis internautes, nous sommes contents pour nous présenter au journal Créole jeudi. Nous avons présenté au lycée des amis DJ Stal en collaboration avec VOA Créole depuis Washington DC. Il était connecté à nous en tout temps qui tourne ensemble avec VOA Créole pour plus de détails et pour plus d'informations. 2024, yon plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous actualité dans le pays d'Haïti avec un focus tout dans international là. Moi c'est Jacques Lambélizer, quelqu'un grand point cap dominé actualité.
Actualité concernant le pays d'Haïti, opération démolissement CAI, police nationale là, surtout aux alentours aéroport international Toussaint Louverture là, nous va gagner réaction quelques propriétaires. Dans moment information, il a parlé de installation conseil présidentiel transition, hein. Plusieurs secteurs a travaillé sur une pétition pour choisir un juge dans cour cassation hein, pour diriger transition. Hein. Actualité internationale, l'armée Israël a fait un retrait dans Gaza pendant troupes liées apparaît pour une opération dans Rafah malgré opposition Washington et Nations Unies. Et puis équipe solaire totale hier lundi 8 avril 2024 l'a provoqué en pile sensation surtout dans pays côté le passé tant que Mexique, États-Unis et Canada. Et oui, c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour développer pour dans un petit moment donc et dans pays d'Haïti même c'est suspense tout monde attend de date installation conseil présidentiel transition mais toujours gagner yon retard donc Napton mais actualité à sous point de vue international appelez nous dans région Moyen-Orient côté que guerre Israël-Hamas là sont suspense tout sous yon cessez-le-feu éventuel dans Gaza pendant que gagnent l'armée état Israël et l'armée pays Israël là lui-même qui a préparé yon opération dans Rafah malgré position Washington position Nations Unies et l'autre pays encore nous gagne Serge Rodriguez pour mise à jour. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit jeudi mardi a livré le déraciner brigade Hamas parmi eux ça qu'a opéré dans ville Rafah au sud Gaza et pas rien qui va l'empêcher de faire ça. Nous pourrons compléter attaque sur brigade Hamas et même ça dans ville Rafah et pas aucune force sur planète là qui est capable de camper nous dans route. Qui a pile force qui campe en quoi dans sens ça mais ça pas pour aider étant donné l'ennemi ça après ça qui finit comme là il pas une opportunité pour faire ça encore. M. Netanyahu fait déclaration ça devant nouveau recrue militaire dans zone Ramat Gang. Un jour après, il était fini, il a déjà choisi une date pour Israël envahir Rafah. Cependant, personne ne va connaître date là. Dans un moment, une série de négociations cessez-le-feu a déroulé dans la ville de Caire, en Égypte. L'Union européenne avec divers gouvernements étrangers a essayé de décourager l'idée d'État juif là pour ne pas monter sous chemin ça, une façon pour éviter la rivière sans. En même temps, tout le président des États-Unis, Joe Biden, demandait pour Israël pas lancer une grosse offensive l'autre. Sous vos paroles, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aborde le dossier invasion Rafah tout. Pour ça concerne Rafah, Israël n'a pas nous aucune date sur opération liant. Ça nous a dit c'est que nous continuons à parler à l'État hébreu sur question Rafah. Pendant ce temps, un convoi camion assistance humanitaire entré dans Gaza jeudi 19 avril là, à travers frontière Rafah, côté plusieurs milliers de Palestiniens déplacés à vivre, dans le cadre d'opération militaire, l'État juif a continué à plancer dans la zone. Opération qui presque lagué monde dans Gaza, dans un gros grand goût, d'après quelques agences aide humanitaire. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis, un autre point dans l'actualité internationale, là, c'est scandale et Panama Papers, là, qui retourne dans l'actualité, et puis, gagne un procès qui t'emmène dans Panama. Sandra Lemaire, gagne détail. Procès 27 moun la justice accusé dans question mondiale complot blanchiment l'argent qui portait nom Panama Papers tombé lundi dans un tribunal panaméen. Parmi moun yo accusé yo gagne propriétaire cabinet avocat Mossack Fonseca qui était une organisation centrale dans qu'aucune chaîne fuite document en 2016. Solicitó a los imputados, las personas que fueron investigadas. N'a rappelé que Panama Papers gagne la donne en collection 11 millions de documents financiers secrets qui montraient que Jean Moun qui plus riche dans le monde là caché Kobio. Répercussion fuite documents y arrivé loin. Et puis t'es la cause premier ministre Islande t'es démissionné. Ça t'es la cause tout leader Argentine et Ukraine t'es tombé en bas en pile critique ensemble avec politiciens chinois. Avec président russe Vladimir Poutine. Procès a que yo t'ai renvoyé plusieurs fois, l'ouvri lundi avec déclaration avocat Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, ensemble avec ancien employé cabinet avocat Yoa, qui fait face à accusation blanchiment l'argent. Mossack t'est présent dans tribunal là, avocat Fonseca lui-même dit monsieur couché l'hôpital dans Panama. C'est le formule. Non, soy responsable de tales actos. Accusé Jürgen Mossack, dit juge là, moi pas responsable pour ça comme ça.
procès a centré sous accusation comme quoi cabinet avocat t'établit société écran, c'est-à-dire faux compagnie, pour acheter propriété dans Panama avec l'argent qui sorti dans un cocaine chain complot corruption dans Brésil que moun connaît sous nom Lava Jato. Ça veut dire laver auto. Fonseca déclaré compagnie hein, qui fait mes portes li en 2018, pas de gain aucun contrôle sur qui j'en client yo ta capable servir avec société écran qui établit pour yo dans l'autre pays. Ni Mossack ni Fonseca c'est citoyen Panama. Panama pas extradé citoyen li yo. Le tribunal te joint monsieur yo non coupable pour l'autre accusation en 2022. Document secret yo te paraît en premier sous journal allemand Süddeutsche Zeitung et puis yoté partagé yo avec consortium international journaliste qui mené enquête. Groupe là a commencé publier rapport que yoté préparé ensemble avec médias en 2016. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra, d'après être toujours dans la région Amérique latine, côté yon organisation droit moun accusé Colombie et Panama, comme quoi yon ta violé droit immigrant qui a traversé forêt d'Ariane pour aller aux États-Unis. Et annonce a fait Jean-Robert Philippe, malgré États-Unis mandé immigrant yon même, pour yon choisi voie légale pour yon capable entrer aux États-Unis, pour yon pas prendre l'autre chemin qui capable ba yon en pile problème, Jean-Robert. Effectivement, la question dit, c'est un appel que les États-Unis pas suspendre lancé par immigrants, surtout immigrants qui sont dans l'Amérique latine, pour dire qu'il y a plusieurs autres moyens que les États-Unis mettent à la disposition depuis après la vie. Alors, c'est comme ça que l'organisation doit humer ça, lui-même, lui longe de sous deux pays, ni Colombie, ni Panama, pour dire qu'il y a violé droit immigrants qui utilisent le territoire, parce qu'il y a un foyer d'ailleurs, pour mettre, dans le moment, il y a mettre tête pour les États-Unis. Colombie et Panama ont reçu l'accusation du groupe des humains, Human Rights Watch, comme quoi ils ont abandonné plusieurs milliers d'immigrants qui utilisent les forêts d'arrivée avec objectif pour aller aux États-Unis. Le défi de la migration trasciende à nos deux pays. C'est un défi régional. Ministre des Affaires étrangères colombien Luis Gilberto Murillo, qui occupait de questions de migration, a déclaré défi immigrant dépassé de pays concernés. Non seulement c'est un problème régional, mais tout c'est un problème mondial. Nous n'avons pas voulu accepter parole que nous abandonnons la population qui n'en fait rien à cause, c'est pas vrai. Colombie et Panama fait un gros effort dans ce sens. L'Organisation des droits humains accusé de pays sérieux, lui dit qu'il a abandonné les immigrants dans la forêt d'Ariane qui sépare Colombie avec Panama. Les migrants qui sont en Colombie, plus de 80% ont une vocation. Le ministre des Affaires étrangères colombien a ajouté que plus de 80% des immigrants qui sont en Colombie ont un plan de rester ici. Mais nous avons besoin de plus de ressources pour accepter plus toujours. Nous avons déjà une loi qui permet de nous accepter entre 350 000 à 600 000 immigrants en Colombie. Pas seulement vénézuéliens, mais immigrants qui déjà vivent dans le pays. Mais nous avons besoin de support de la communauté internationale pour être capable de répondre aux défis qui sont devant nous. Dans une déclaration tête ensemble, gouvernement de pays de Colombie et Panama publié, ministre des Affaires étrangères de pays a déclaré qu'il fait gros efforts. Immigrants, c'est un défi qui dépasse de pays. Mercredi 3 avril passé, à Human Rights Watch accusé Panama et Colombie, il dit qu'il échoué dans protéger et puis assister plusieurs milliers d'immigrants qui traversent les forêts. Groupe accusé tout de pays, il dit qu'il pas arrivé enquêter sous habit qui t'a commet contre immigrants. Existen algunos países en el sur que tienen que revisar. Ministre des Affaires Panama, Hanaina Tawane, déclaré quelques pays dans le sud doivent réviser la politique migratoire qui permet aux immigrants de traverser la forêt. Il y a un autre point qui est important pour nous. Nous devons aborder la question Haïti avec Venezuela. Nous ne sommes pas capables de garder les bagages sans ne pas dire rien. Le problème n'est pas simple. C'est un problème global. En 2023, officiel Lyon en Panama a rapporté un chiffre record dans la quantité d'immigrants qui traversaient la forêt d'Ariane qui connectait Colombie avec Panama. Plusieurs milliers d'immigrants traversaient la forêt, rentraient Panama, traversaient l'autre pays dans l'Amérique centrale là, avant de rentrer au Mexique pour aller sous frontière côté de demander asile aux États-Unis. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Maryland.
Et puis hier, c'était belle bagaille, bel spectacle avec éclipse solaire totale là, qui t'a provoqué en pile sensation, surtout côté le passé. On a parlé de Mexique, et les États-Unis, à Canada. Valéo, c'est lui depuis New York, a fait un coup d'œil sur la situation. Éclipse solaire qui traversait Amérique du Nord, sorti dans le pays Mexique, arrivait juste au Canada hier lundi 8 avril là, t'ai un gros spectacle belle merveille, côté que plusieurs millions de monde t'ap gardé ciel là. Yo t'ap gardé en l'air pour yo chercher ouais phénomène céleste ça qui était partiellement visible pour certains monde à cause mauvais temps. Mais à travers Pifo dans zone dans continent, côté que ciel là t'est clair, observateur qui souchi mes trajectoire direct éclipse là, t'est arrivé ouais bel spectacle ça qui très rare. La lune n'a te paraît tant qu'on yon ombre noir qui a traîné devant soleil là. Et puis pendant yon petit temps, li te bloqué soleil là, qui li même t'a brillé pas de elle. C'est ça que scientifique relè yon éclipse solaire total. Période temps éclipse total là, te dirait jusqu'à 4 minutes et demi, dépendant sous côté moun kap gade a campé. Éclipse ça t'a fait l'autre effet étrange tout, côté que la lune n'a te mette ciel là nan fait noir et c'est seulement une portion dans soleil là qui te paraît. Ça relé une éclipse partielle. Spectacle ça t'a déroulé à travers Pifo dans zone continentale États-Unis. Fanatique éclipse yo t'est rassemblé dans plusieurs côtés sous trajectoire li qui étend li sorti dans côte Pacifique Mexique là jusqu'à Texas à travers 14 autres États aux États-Unis, rivé dans pays Canada. 4 minutes avec 28 secondes, c'est durée temps éclipse total 2024 là qui t'est dépassé durée temps éclipse ça qui t'est traversé pays États-Unis dans année 2017 qui lui-même t'est duré jusqu'à 2 minutes à 42 secondes. D'après la NASA, éclipse totale qui a duré entre n'importe 10 secondes jusqu'à à peu près 7 minutes et demie. Dylan Touras Rosendale, son résident en ville New York. It was just a moment where everything else... C'était juste un moment côté que toute l'autre bagaille pas important. Ou senti ou fait une seule avec la nature. Ou campé dans une ligne parfaite entre soleil là, la ligne avec la terre. Ou campé dans côté qui parfait avec temps qui parfait tout pour capable joindre son besoin. Tant que c'est une expérience pour toute la vie. Tant que moi pas jamais oublier moment ça. Moun ki nan Times Square nan ville New York là, yo même tout yote wè éclipse spatiale là qui te paraît dans ciel là à 89% aux environs 3h25 dans l'après-midi l'heure locale. Mais gen moun ki yo même te vive éclipse solaire ça différemment, ça qui t'a voyagé par bateau, mais si tout ça qui yo même te vive expérience ça dans ciel là, passager ça yo qui te a bon yon avion Delta Airlines. Yo te gen opportunité yon fois dans la vie pour yo prendre avion parti pendant moment que éclipse ça t'a passé trajectoire li dans jour lundi 8 avril là. Vol là te décollé sorti dans aéroport Austin Texas, 30 000 pieds en l'air, chita bon fenêtre là dans cabine avion an, amateur éclipse yo te excité avant que yo te atterri dans ville Detroit Michigan. Aaron Perdue, qui a 47 ans, son fanatique Eclipse qui sortit Orlando, Florida. Absolument étonnant. Puis bon vol, moi t'es jamais pris avec Delta. L'été incroyable. Moi, ouais, belle éclipse là. Moi, t'es arrivé, ouais, moment éclipse total là. Incroyable. Vol là, t'es ambiance. Tout le monde t'es tellement content. Et yo t'es content juste pour yo t'es parlé une à l'autre. Staff assistant vol, yo t'es incroyable. Yo deuxième vol Delta t'es ajouté à la dernière minute. Et dans tous deux vols, ça, yo passager, yo t'es qu'à ouais, éclipse total là. Yo expérience que Neil Albstein t'a dit que le pape Jean Blié dans ville après que l'était proposé Patnelli sous vol Delta. Voilà, c'était un événement spécial. Il était semblé tant que moi pas d'ab jambe qu'a joindre une opportunité spéciale comme ça pour moi proposer. Et moi t'ai voulu faire lui pendant une expérience que ou fait une fois dans la vie. Qui donc était moment parfait pour moi combiner tous les deux. À peu près 32 millions de monde aux États-Unis te vivent l'éclipse là. Et officiel fédéral, yo te prévoit que yon lot 5 millions de monde t'apprêt à voyager pour venir garder pour VOA Creole. Valério Saint-Louis, depuis New York. Merci Valério Saint-Louis. Donc c'était belle bagaille hier dans l'occasion éclipse solaire totale ça qui t'est passé, sorti Mexique, traverser les États-Unis pour arriver au Canada. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous. Merci d'être toujours été branché. Actualité concernant le pays d'Haïti. Certaines organisations sociopolitiques et partis politiques ont cherché plusieurs centaines de milliers de signatures pour imposer choix un juge cour de cassation au lieu de mise en place conseil présidentiel transition. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint.
Plusieurs structures sociopolitiques et partis politiques parmi eux, Innovation, lancent une campagne pour ramasser des centaines de milliers de signatures à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti et dans la diaspora haïtienne, dans l'objectif pour exiger choix et un juge Cour cassation pour assurer présidence provisoire transition au lieu conseil présidentiel. Nous choisissons, mettez pétition ça pour toute population, signez pétition ça pour seul livre. Celle loi que nous était qui c'est constitution pour nous entrer vers la constitution parce que constitution en Haïti pas jamais appliqué yo appliqué les yo voulait faire affaire par eux mais nous mêmes en dans innovation nous dit position CARICOM là si nous quitter le passé et mais nous toutes nous pral enterrer comme nous habitué toujours dit ça et n'a toujours dit ça et nous pas camper sous ça c'est dans cour de cassation nous pour aller. Nous pas dans CP, parce que CP par contre porte résultat pour nous. Nous voyons cette dérive qui a fait à travers la communauté internationale. Côté nous voyons c'est CARICOM qui a décidé pour nous. Côté que nous venons en proposition de cette tête. Eh bien, nous-mêmes nous disons que nous avons un seul document de référence dans le pays, qui c'est maman loi pays, qui c'est constitution. Donc, nous avons l'article 59 qui dit. Lorsque vous avez un vide présidentiel, c'est dans le coup de cassation pour nous aller. Given Bastien, Joseph Jean Wisley et Pierre Saint-Ange, respectivement président, porte-parole et responsable affaires politiques, parti politique, innovation, dit expérience collège présidentiel, yo pas qu'on bail résultat positif. Expérience coup cassation, yo qui compte bon. Et c'est ça qui a un intérêt pays d'Haïti, d'après Saoudi. Oui, non, tout ça. Vous voyez au Acréole. Et puis toujours actualité à nan pays d'Haïti, gen la police kap multiplié opération pour combattre gang armé surtout nan zone capitale là. Yves Manuel. Pour répondre à mission li qui se protéger ak servi pendant crise sans pareil Haïti a fait face dernier jour sa yo, police nationale d'Haïtien a multiplié opération ak intervention surtout nan département l'ouest lan pour capable contrecarrer action criminelle bandi vle fait sou même population ak civil la ak sou institution yo. Agent PNH yo fait konnen yo pa baissé les bras bay bandi ki yo même rend sans sommeil citoyen dans divers quartiers nan capitale haïtienne. Combat entre la police et bande armée reprend dans le commencement de semaine. Affrontement au fait dans champ de masse tout près palais national et qui pas loin tout l'hôpital général dans centre-ville capitale là côté bandio yo a fait ravage la journée ou la nuit. Fusillade sa yo yo fait après plusieurs jours calme dans certains quartiers dans capitale là. Même scénario a produit dans zone Delma et aéroport international Port-au-Prince. Côté moun yo peur descendre dans la rue pour vaquer ak activité habituelle yo nan kafou ak sud capitale la banque commerciale yo fermé porte yo. Cependant aucun affrontement ni violence pas observé dans Pétionville ak nan l'est Port-au-Prince qui se cible attaque répétée depuis un certain temps bon côté bande armée yo. Pendant temps ça pays a attend toujours installation conseil présidentiel transition an. Côté gagné étape signati accord politique pour une transition pacifique et ordonnée qui fait bon côté acteurs yo et alliance politique qui impliqué dans processus là en vertu de accord politique ça mandat conseil présidentiel a prend fin 7 février 2026 pour laisser place à investiture un nouveau président qui élu dans élection libre équitable et démocratique. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. N'a prêté toujours dans Port-au-Prince côté propriétaire Kaiti qui dans périmètre aéroport international tout c'est l'ouverture là et qui concerné par démarche gouvernement apprend pour gain contrôle aéroport réagit dans micro VOA Créole sous Jean et ça passé Massado ville mettez pas là quelque là dedans. Quelques nan propriétaires nous t'ai croisé dans la Comérie Tabar fait qu'on est pour recevoir l'argent des dommages gouvernement promet là alors que la police commence à écraser caillou. Moi et fait toute bagarre, fait inscription toute bagarre, mais cependant ça qui plus important c'est que moi on commence à écraser, yo marqué caillou et puis nous même nous pour gagner on adoquer la main. Juste yo fait nous signer un chèque depuis plus passé 2 semaines et que normalement matin là on t'a supposé recevoir chèque nous pour recevoir yo adoqué. Alors là, on ne peut pas aimer que normalement pour faire travail et que la population lui-même
pour qu'on gagne la mêle et puis capraser puis pour nos victimes. Soit bonne bagaille et d'après les rudus et que tout moyen déjà disponible déjà que normalement pour dédommager population mais c'est littérature moi qu'a fait ou comprendre c'est monter descendre qu'a fait ouais même monde qui gagne chèque non sorti sous non déjà pourquoi qu'a retirer chèque ouais c'est ça qui inquiétude moi même yo dis moi y a craser quand là yo venir c'est hier yo venir marquer quand là tu dis moi pour me venir derrière chèque moi min matin là moi yo pas bon combien chambre ça yo a venir là et deux pièces. Deux pièces. Combien vous dites y a bas au bout des pièces? On peut connaître fiches et papiers non mais une petite mandat. Je te dis moi. Je te dis à bon je dis à nous venir là et dis nous la semaine y a bas. Pas pour me dire qu'à me caser mais au marqué la démolie. Pour me faire une côté pour me donner ça à Bzim. Il n'y a pas de vingtaine quand qu'y a bas qui caser. En vingtaine? Oui. Nous devons dire que décision s'est venue après l'aéroport a été subi attaque groupe civil armé dans date 29 février passé. Toutefois, aucune activité pour qu'on reprenne dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Donc, Gang Rameo continue à faire des ordres. Tout nous connaît que dans la capitale, là, il y a un pile tiré qui a fait surtout dans la zone Champ de Massa. Pendant ce temps, la quantité de monde qui a couru quitter la capitale Port-au-Prince pour venir réfugier dans le Grand Sud là a augmenté chaque jour. D'après ça, correspondant à nous dans la ville Okaï, dans le département sud pays, en Ernst Elis Cardino. Bandi qui a crasé brisé dans Port-au-Prince, la cause en pile monde couru quitter la capitale là, venir réfugier dans le Grand Sud là. Dans ville Okaï, autorité yo té accueilli un groupe citoyen qui t'a cherché la vie meilleure. Merci pour accueillir, que magistrat accueille nous. Et décision ba nous, c'est pour nous quitter Haïti pour d'aller vers l'autre côté parce que avec problème insécurité a, moi t'a vivre Mariani, bandi boule ka moi, moi c'est un boss et mon capable de construction bâtiment, un boss contre mettre. Bandi boule ka moi qui nous pas rien là mais nous t'ai organisé pour d'aller venir quitter d'aller chercher la vie l'autre côté. Mais c'est dommage, bien réfléchi mal calculé, bagay yo pas atterri nous. Non merci bon Dieu pour ça parce que bon Dieu fait yo recevoir nous dans le département sud là. Délégué départemental sud là maître Kitno Estainville qui n'a tête conseil sécurité sud là fait connait conseil là déjà prend toute disposition pour contrôler moun k'ap rentrer dans département. Conseil de sécurité du sud là, il est toujours disons gain même responsabilité hein, à l'égard des citoyens dans tout département. Et ça fait nous toujours arranger nous au niveau du conseil. De concert avec mairie, parquet, vice-délégation et quelques directions départementales pour veiller, contrôler les gens qui ont rentré sur le département qui vient dans le sud. Et ça commence à faire. Et vous me dites, si vous avez niveau sécurité qui continue à quimber le niveau qu'il y a dans le sud, c'est détermination que nous gagnons à collaboration population avec chaque institution qui permet que jusqu'à présent nous capable de dire plus ou moins ou pas attendre qu'il y ait trop de crimes qui fait dans le département dans le jour ça. Citoyens qui sont Port-au-Prince sans cap rentrer par bonne et par paquet dans le département sud là, la cause ville Okaï et zone avoisinante bourré à monde prix produit augmenté tout sous marché à et en pile propriété caille augmenté prix loyer. Dans dernier rapport organisation internationale migration publié dans commencement mois d'avril là, il y a 53125 moun qui courent quitter Port-au-Prince pour venir réfugier dans département alors que d'après même rapport région était déjà recevoir 116000 moun qui t'a couru pour bandi. Jean-Ernst Eliscar VOA Creole, Okaï. N'ap kite sud, nou pral nan département nord, kote plusieurs dizaines femmes nan l'imbé pote solidarité yo bay kek lot femme ki soti nan capitale la ak nan la Tibonite ki vin rete l'imbé a cause violence gang yo nan zone métropolitaine Port-au-Prince. Gérard Maxino se correspondant nou nan Cap-Haïtien. C'est sous initiative plusieurs organisations femmes tankou Académie pour promotion ak valorisation femme haïtienne APROVA. Rassemblement femmes Limbé Rafale que plusieurs dizaines de femmes marché dans diverses rues communes Limbé dans occasion journée nationale femmes haïtiennes sous thème femmes haïtiennes c'est l'espoir. Coordonnatrice APROVA Yuzlan Etienne Robert fait connaître marche ça c'était pour dénoncer discrimination viol et excision yo même femmes absibi dans société haïtienne.
nous prenons la rue pour nous porter ensemble de revendications. Revendications, on les résume en trois éléments. C'est égalité, partage et puis équité. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous venons parler, nous venons revendiquer et à travers marche-là, nous venons réclamer trois éléments. À cause climat, insécurité à Captaï Banda dans le pays, yon paquet fèm déplacé vin rete lembe. Yon nan déplacé ou déclaré, li rive nan nor, c'est à cause persécution bandi armé ou nan matisan. Li bat bravo pou si pou li jwenn nan men moun lembe ak organisation féministe yo. Mwen passé 1 à 2 mois ensemble avec yo. Yo ban logement, yo ban tout assistance, manje tout bagay. C'est yo ki pa di ki yo fami pou mwen nan lembe. Et selon numéro 1 approuvé, mesdames déplacées, tu as besoin de bon support psychosocial. Nous avons des centaines de déplacés que nous travaillons avec eux, des centaines de déplacés qui ont besoin d'appui psychosocial, des centaines de déplacés qui ont en difficulté pour manger, qui finissent dans le département mort, mais commune Lembe précisément, nous gagnons plus de cas que nous enregistrons. Activité a été déroulée en présence plusieurs autorités locales et paysans qui étaient sortis dans 6 sections communales commune Lembe. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la Voix d'Amérique. Et nous avons un dernier coup de pied dans la province et nous parlons dans Fort Liberté. Côté nous parlons rejoindre Jodelet Junior Saint-Ville qui parle nous de problèmes l'école dans la zone. REDEN, qui est le regroupement directeur l'école non public dans le département nord-est, qui gagne environ 89 l'école, dans tête collée avec tout directeur l'école non public dans le grand pays, qui a signé un accord subvention avec le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, levé voyou bien haut dans la presse pendant le week-end passé pour dénoncer le ministère qui n'a pas respecté, d'après ça, l'accord. M. Jonas Revolus, c'est porte-parole, regroupement l'école privée dans le département nord-est. Si tout si là, yo... qui est signé avec PAPDEF, avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a un contrat de subvention qui peut payer le collage pour tout le monde sorti dans la classe première année, fondamentale pour arriver dans la classe sixième année. L'aide considérée, nous avons signé un contrat pour 3 années, sorti 2022 pour arriver 2025. L'aime considérer aujourd'hui déjà dans le mois d'avril et que le ministère de l'Éducation nationale avec PAPDEF pour qu'on dise nous rien pendant l'école, nous pas qu'à répondre à l'ensemble d'exigences, nous gagnons. Pour question cantine, nous connaissons si nous avons droit pour nous jouer manger, pour nous manger dans l'école. Mais ce n'est pas pour l'agence. L'agence a, nous décidons déjà, si nous n'avons pas un goût de payer dans l'école, c'est le contrat. Je dis à nous attendre ces cantines, il y a pas ensemble avec alors que l'année scolaire est presque finie. Monsieur Revolus te pote explication sou ki sa PAPDEF ap jere an dan ministère l'Éducation nationale pendant le mandé pressé pour l'école privée yo nan département nord-est la joine l'agent subvention a jan sa te prévoit nan accord yo te signé ak ministère éducation nationale ak formation professionnelle. PAPDEF c'est un programme qui an dan ministère éducation nationale qui gère question et subvention et pour l'école yo. N'a demandé pressé à ministère l'Éducation nationale avec PAPDEF pour bailler l'agence ça parce que c'est ça nous dessiner ensemble avec Jodelet Junior Saint-Ville depuis Wanamet au VOA Créole. Merci Jodelet Junior Saint-Ville, c'était un plaisir une autre fois encore pour nous te servir. Merci pour attention. Merci pour fidélité et nous remercions toutes les amis qui t'ont aidé nous mettre programme ça dans l'air, que c'est Franklin et que c'est Jean-Marc Hervé Abelard, sans oublier gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacqueline Belizère et puis n'a quasi encore demain pour un autre rendez-vous info.